Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va dédier cette vidéo à Bernard Tapie. Ben, c'est en écoutant les infos là il y a quelques semaines lors de son décès que je me suis décidé. Oui, j'entendais par-ci par-là. Oui, c'était entre autres un touche-à-tout. Oh bah ben, tiens, oui. Pourquoi il a été touche-à-tout en effet? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo avec les autres caractéristiques de sa personnalité. Alors, on va d'abord un petit peu voir les grandes tendances de son visage, les grandes marques de fabrique. Bon, bah alors on peut commencer par le cadre, hein, le cadre qui est large, assez large, hein. Donc, qui dit largeur du cadre, c'est la largeur entre les deux tragus des deux oreilles, avec une hauteur du visage entre les sourcils et le milieu de la bouche qui est basse. Donc on détermine, comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, la largeur du visage par le côté bas du visage moyen entre les sourcils et la bouche. Donc cette caractéristique implique deux choses, hein. La largeur donne de la puissance. Hein, vous avez pu le constater même intuitivement, hein, quand vous voyez quelque chose, une voiture large ou une voiture très étroite, bon, le côté large induit de la puissance. Donc bon, la puissance peut déterminer plusieurs choses, mais enfin en tout cas on peut s'intéresser à plusieurs choses en même temps du fait qu'on a cette puissance d'implication dans les choses. Donc largeur, puissance. Alors, d'un autre côté, si c'est large, c'est automatiquement un peu le visage moyen est un peu bas et donc il est un peu court. Donc, qui dit court chez les driches, donc dit rapidité, vitesse. Hein, et tout ce qui est large, c'est lenteur. Tout ce qui est, pardon, tout ce qui est haut est lent et ralenti. Donc là, le visage moyen entre les sourcils et la bouche, qui détermine en grande partie le cadre est bas. Donc rapidité, vitesse dans ce côté instinctif. Mais alors, comment relier les deux? Ben, quand on peut s'investir puissamment dans un ou plusieurs domaines, ça c'est ce que peut faire Bernard Tapie. Mais évidemment, une fois que l'objectif est atteint, il y a vite une lassitude du fait que cette caractéristique ne fait qu'on n'aime pas trop ou on n'est pas très doué pour s'appesantir, approfondir, creuser, faire progresser lentement, perfectionner, améliorer, avoir de la continuité longue dans le temps sur les projets dans lesquels on s'est inscrit initialement. Alors, donc de ce fait, bah, c'est un des critères qui fait qu'on va être un peu touche-à-tout. Hein. On s'intéresse, hop, et puis au bout de quelques temps, ben, on se lasse. Il y a de la lassitude, car une fois le premier contact fait avec l'investissement, avec une réussite certes à la clé, du fait de cette puissance et d'autres caractéristiques de sa personnalité, eh ben on se lasse, donc comme un bébé, on change de jouet. Et donc cette expression touche à tout s'explique ainsi parfaitement. D'autant que au sein de ce visage court, comme on peut le voir, le nez est court aussi. Alors, quand un visage est court, si la lèvre supérieure est très basse, le nez peut avoir une certaine longueur. Là, ce n'est pas le cas. La lèvre supérieure est plutôt haute. Donc, dans ce cas, on a un visage large, une hauteur du visage rapide qui détermine ce que je viens de vous dire, et en plus avec un nez un peu court, ce qui implique des décisions rapides, mais même parfois trop rapides, un manque de continuité, une espèce d'impression d'activité fébrile, mais aussi un caractère jeune, enjoué, gai, vivant. Donc ça, c'est du Tapie. Hein, d'autant que, alors après, ce bord du nez n'est pas particulièrement étroit, il est plutôt un peu large, et donc bah, il passe en force avec éclat.
Hein, il n'est pas discret, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autant qu'en plus, il est avec cette bouche large, particulièrement large, il aime agir dans un groupe. Il est très social dans la science de sociabilité, partagé avec les autres, même s'il veut imposer sa marque au-dedans, hein, et c'est pas pour ça qu'il est soumis. Mais voilà, donc de ce fait, le travail solitaire et individuel lui est difficile. On peut dire aussi que cette bouche très large va un petit peu baisser la moralité du fait qu'on va s'attacher plus à la morale du groupe qu'à avoir une morale personnelle. Alors voilà un petit peu mes impressions sur ce Bernard Tapie. Bon, sur certains profils, vous voyez quand même, il y a du 20 degrés d'inclinaison, donc il a le côté homme d'action, hein, ça on le sait bien, les sourcils rectilignes, donc il agit en force, rapidement, il est concret, hein, le visage large, c'est concret. Alors que dès qu'on est un peu plus étroit, on est plutôt dans l'abstrait. Hein, c'est un concret, un sociable, un partageur, un rigolard, un vif, un bosseur, un homme d'action. Mais il a quand même ses défauts de touche à tout qui sont quand même, moi je le ressens comme une erreur fatale quand même. Hein. Il s'est impliqué dans beaucoup de choses. Pourquoi? Bah parce qu'il s'est lassé. Hein. Je m'implique dedans. Une fois que j'ai fait mon argent, ou que je vois les difficultés arriver, j'ai plutôt tendance à aller ailleurs. Hein. Bon, voilà quelques points sur ce Bernard Tapie. Alors, pour finir, quelques éléments complémentaires. Vous voyez, ce visage sur le profil, le bas du visage avance un peu plus que le haut du visage. Il y a plus de projection en bas qu'en haut, et donc ça c'est une ligne frontale en accent grave comme on dit, et donc là l'individu manifeste, donne en priorité une réponse matérielle et concrète face aux problèmes qui lui sont posés ou qu'il essaye de résoudre. Son intérêt, sa réponse, sa solution, tout ça c'est concret. Hein, donc malgré ses capacités intellectuelles de réflexion, d'analyse, bon, c'est pas un grand stratège, mais enfin de puissance de synthèse, c'est pas un intellectuel, hein, du tout. Hein, donc c'est un homme concret, un homme d'action. Alors on peut terminer véritablement par sa lèvre supérieure qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, est un petit peu haute. Donc même si elle est assez projetée sur le profil en avant, avec un bon contrôle sur l'approche des autres dans ses relations, il n'y a pas de dépendance affective, et il y a quand même une lèvre un peu haute qui ralentit le rythme dans le choix des partenaires, si l'on peut dire, hein, tout ce qui est haut est lent. Et donc là, du coup, ça, c'est une partie qui est plutôt un peu lente. Donc finalement, notre Bernard Tapie était plutôt relativement, je pense, assez fidèle, assez stable dans ses relations affectives, d'autant que il n'avait pas le côté conquérant du respiratoire avec le visage de profil qui va de conquête en conquête. Donc je pense que comme je le mets, c'était certainement un mari plutôt fidèle. Et l'on termine par le côté digestif de son visage. Là, le côté digestif, ça fait parler de la typologie. Hein. La typologie, c'est une des trois façons d'aborder les visages. Donc c'est une technique de synthèse. Hein. Donc le digestif, bon, il a un peu de bilieux, évidemment, le bosseur, l'homme d'action. Mais enfin, il a aussi le côté digestif avec ce visage bien droit, pas en creux, mais presque, un peu carré. Donc c'est le côté accumulatif, hein, la personne a besoin d'accumuler avec cette mâchoire aussi assez large pour se protéger ses acquis. Hein. Il y a un côté stable dans ses orientations, il y a un côté un peu sédentaire, pas mobile trop. Hein, la personne peut accumuler parfois par avidité aussi. Hein. Socialement, notre homme est aussi
que ce soit par ce côté digestif ou par ce côté extraverti et non jamais introverti, est très accueillant, sociable. Il n'a pas tant besoin d'appui affectif que ça, mais il supporte mal, je pense, la frustration. Il y a un côté conservateur, hein. Il résiste assez au changement et c'est pas un révolutionnaire, hein. Bon, ça donne un petit peu de bon sens, de l'assimilation, un côté réceptif, curieux. Il est curieux pour ce qui passe à sa portée, mais c'est pas non plus un chercheur, hein, certainement pas. Voilà. Donc, voilà un petit peu à grands coups de sabre le portrait, quelques éléments du visage de Bernard Tapie. Eh bien voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, positifs ou négatifs. Poser des questions si ça vous semble nécessaire. Bon, la réalisation n'est pas toujours parfaite, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai énormément de travail. Donc, je fais ce que je peux. Voilà, à bientôt tout le monde.